Je suis Joëlle Montupé, candidate du PCF Front de Gauche sur la 4e circonscription de la Dordogne. Lors de l'élection présidentielle, nous avons mené campagne pour de nouvelles conquêtes sociales, pour un renouveau démocratique avec une 6e République, pour la transition écologique, une France et une Europe solidaires dans un monde en paix. Nous avons soutenu Jean-Luc Mélenchon qui incarnait ces valeurs de transformation sociale. Aujourd'hui, face au nouveau président, nous avons besoin de députés communistes qui s'opposeront à la casse du Code du travail, à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, à la remise en cause de notre système de retraite. Des députés qui seront à l'offensive contre un système capitaliste mondialisé qui engendre de monstrueuses inégalités. Ceux qui produisent les richesses par leur travail n'en récoltent que des miettes et les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux. Le projet de M. Macron s'inscrit au cœur de ce système. Il faudra le combattre dans la rue et au Parlement. C'est le sens de nos candidatures soutenues par le PCF. Nous voulons porter à l'Assemblée les aspirations de la gauche authentique et des forces vives du pays. Ouvriers, employés, paysans, artisans, retraités, handicapés, enseignants, techniciens, travailleurs précaires, chômeurs, qui sont ignorés, méprisés par un système qui entend soumettre l'humain à la prédation financière. Or, le président Macron, à peine élu, veut remettre en cause le rôle du Parlement. En légiférant par ordonnance, il évacue le débat parlementaire démocratique. Sa priorité sera, dès le mois de juillet, la poursuite de la casse du Code du travail, avec une amplification des aspects des lois les plus nocifs de la loi El Khomri. Nous portons l'ambition d'un nouveau mode de production, d'un modèle agricole fondé sur des critères d'efficacité économique et écologique, de coopération et de solidarité des territoires, dans la perspective d'une 6e République démocratique et sociale. Voter pour faire entrer le peuple et le monde du travail à l'Assemblée nationale. Merci.